Qu'est-ce qui se passe là-haut? Je crois que c'est les nouveaux voisins du dessus qui viennent d'emménager, là, des nouveaux mariés. J'ai pas vu sa femme, j'ai vu que lui, mais... Ah, alors là, j'ai rien à dire. Oh, tu connais pas ça, toi? Yvonne, ma femme, elle m'a tout fait. Le mariage de mon fils, les réveillons de Noël, on se perd en bagnole. Mais le déménagement, alors là, crois-moi, elle m'a carrément coupé les pattes. J'ai failli faire une dépression. Tenez bon, jeune homme! On est là! Ah, vous êtes le voisin du... Luc. Simon. On s'est croisé hier dans l'ascenseur. Ouais, ouais. Je suis désolé, on a fait un peu de bruit. Vous inquiétez pas, les déménagements, c'est ce qu'il y a de pire dans les couples. Justement, si vous aviez une caisse à outils, parce qu'on n'a rien chez nous. Oh, avec plaisir. C'est un honneur de rendre service à un nouveau voisin. C'est votre papa? Non. Votre grand-père? Non, non plus, c'est mon coloc. Voilà. Tenez, venez tous les deux prendre l'apéritif demain, ça nous fera plaisir. Mais qu'est-ce que tu fous, chérie? Faut pas une heure pour emprunter une caisse à outils, hein? Bonjour, monsieur. Allez, viens. Ok, pour demain. Ça va pas, nous fiche la honte, là, devant les gens. En répondant à cette petite annonce, je ne savais pas que ma vie allait changer à ce point. Ça paraît étonnant, mais c'est notre colocation. Vous boirez bien un petit verre, Johan? Oui, volontiers. Une petite coupette. Vous auriez un petit fruit à me mettre dans la coupe? Je prends toujours mon champagne avec un petit fruit dedans, sinon je trouve ça trop amer. Petite cerise, une petite fraise, un petit truc dénoyauté, quoi. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Merci. Alors comme ça, vous êtes coloc depuis combien de temps? Ça fait quelques mois, voilà. Au début, j'ai eu du mal à m'y faire, regarder copains, tout ça. Puis finalement, je me suis rendu compte que j'adorais ça. Voilà. Je vous prie de m'excuser, c'est tout ce que j'ai trouvé. Hop. Qu'est-ce que c'est? Un petit pruneau. Des noyautés. Merci, Georges. Alors comment ça se passe dans l'immeuble? Les voisins sont sympas avec des gens comme vous, enfin, comme nous? Oh, ça branche pas. Mais s'il y en a un qui est pas d'accord, il a qu'à venir me le dire. Parce qu'on avait peur, hein. Les gens sont tellement fermés de nos jours avec certains sujets. Oui, on va les déboucher. Toi, la patronne, tu m'as l'air d'être une belle coquine, hein? C'est nous! Ah merde, il y a deux femmes aussi. Oh la vache, ils vivent à quatre là-dedans. Et là. C'est une coloc d'homo, j'en avais entendu parler. Ici, ils sont à l'abri des regards, hein. À ton avis, c'est laquelle qui fait l'homme? La petite, c'est celle qui a les gros bras. Pas du tout, on n'est pas des homos. Vous pouvez aller dans les chambres et compter les lits, on a chacun le nôtre. Non, on est véritablement des colocataires. J'en ai fait chavirer des têtes, messieurs, et même des hommes, hein. Mais j'ai jamais flanché. En revanche, si ça vous intéresse, moi, les homos, je les repère en un clin d'œil. Je l'ai dit à Madame Michaud, vous allez avoir des surprises avec votre fils. Il a 2 ans, Luce. Pardon, hein. Oh là, les gourdasses, on s'est fait tout un film. Et patatras, voilà, c'est très gênant. Bon allez, quelqu'un veut une petite saucisse? Merci. Non, pas lui. Ah. C'est joyeux, cette tendance d'avoir un couple de gays juste au-dessus de chez nous. C'est vrai, les homosexuels, ils sont fins, ils sont intuitifs, délicats. Prends-moi pour un bleu, j'ai une pourriture, hein, je te dirai rien. La preuve? Mais c'est pas vrai. Il s'arrête jamais, ma parole. Mais tu crois que j'ai pas vu la manière dont Simon te tendait les petites saucisses? Eh ben bon débarras! Mais il va où comme ça? Ah. Tu vas ouvrir. Michael Jordan est arrivé chez les Bulls de Chicago en 86. Je m'en souviens comme si c'était hier. Celui qui va me recadrer en basket est pas né, hein? Ça c'est clair. Non, non, regardez, c'est bien 84. J'avais raison. Demandez-moi quand vous savez pas. Vous ne trompez pas. Pardon? Il faut tremper vos ongles avant de les faire.
Les chairs sont ramollies et là, on peut s'occuper des cuticules. Demandez-moi si vous savez pas. Je veux que ça passe sur les grandes chaînes. C'est Ridge, le vrai père de Carter. C'est Dorothy qui doit lui avouer, là. Je l'ai vu aux États-Unis, il y a 4 ans d'avance. Et là, dans 2 semaines, il va avoir un accident de voiture. Demandez-moi si vous savez pas. Il est fort, ce Bruce Willis. Il est beau avec tous ses muscles. Ah, mais pourquoi il a fait ça? Et je me suis permis de changer 2 ou 3 détails de place pour que ce soit plus feng shui. Mais il est cintré, il faut lui parler. Non, mais c'est très sympathique, ce que vous avez fait. Mais dites-moi, vous croyez pas que Johan va s'ennuyer sans vous? Bon, moi, je vais me coucher. Bonne nuit. Bon, vous voulez quoi? C'est très douloureux pour moi d'être ici en terrain ennemi. En fait, on est ravis d'héberger votre ami Luc. Mais voilà, on se demandait s'il y avait une chance que vous deux vous... Vous vous rabibochiez. Ah non. Oh. Ah non, je crois même qu'on va se quitter définitivement. Oh. Oui, j'ai vu mon médecin, j'ai des micro-traces d'un ulcère qui peut se déclencher dans 15-20 ans. C'est très grave ce qui se passe. Oh. On va pas attendre ce temps-là, c'est pas possible. Bon, bah je vous laisse, j'ai basket ce soir avec Luc. Pardon ? Bah oui, on fait du basket un soir sur deux, puis après on file à la pizzeria, c'est juste en face. Ah non, pardon, ce soir c'est comédie romantique pizzeria. Voilà, je suis désolé, mais on fait tellement de choses que je me mélange un peu les pinceaux. Vous devriez les voir tous les deux. De la roue en foire. Bon, il remonte. Il remonte dès ce soir, voilà. Bonsoir, comme ça je l'aurai à l'œil. Allez, on traite. Allez. À Simon. Rien de mieux qu'une soirée pour la grande réconciliation. Ça me fait penser à des soirées que je faisais à Ibiza. Comment ça, je connais pas Ibiza? J'y suis allée en 49. Il n'y avait pas des gens comme vous, enfin, de votre communauté, comme on dit. Vous jouez à quel poste au rugby? 3e ligne. Je vous aurais plutôt vu une demi-mêlée. T'as déjà fait un truc à Troyes? Pardon? À Troyes, dans l'Aube. C'est la ville du père de Luc. Ah. C'est fabuleux, tu vois, il y a un microclimat.